Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir l'impatience, mais pas que. Voilà, l'impatience glanduliféra, c'est une personne évidemment qui n'a qu'une hâte, c'est que tout soit fait rapidement. Et donc, par rapport aux fleurs de bac, des fois on a envie d'avoir des résultats bah, immédiatement, et des fois c'est possible, mais des fois c'est pas possible. Et des fois, c'est surtout, même souvent, en fonction de l'histoire de chacun. C'est en fonction de la personnalité, c'est en fonction de la situation, des circonstances. Il y a tout un de paramètres qui font que bah, les émotions peuvent être rééquilibrées de façon rapide ou non. Et puis euh, bah, les fleurs de bac, euh, voilà, il faut les prendre. <laughs> il ne suffit pas simplement de les regarder hein, et de les mettre près de soi. C'est intéressant, c'est de les prendre aussi. Donc voilà, je fais ce que j'ai à faire. Vous voyez, je ne fais même pas quatre gouttes, normalement c'est quatre gouttes alors. Voilà, quatre gouttes de fleurs de bac. Oh, voilà, au minimum quatre fois dans la journée. Et puis qu'est-ce qu'on fait Et eh bien vous savez, je vous avais déjà dit plusieurs fois que l'assistante de BAC, donc Nora Wicks, euh, a toujours dit pour trouver la fleur qui correspond ou les fleurs qui correspondent à nos émotions, encore une fois les émotions ça peut être du ponctuel, ça peut être du long terme, ça peut être aussi un trait de personnalité, un trait de caractère, euh, il y a plusieurs émotions que l'on peut traiter indépendamment du fait que ce soit ma personnalité ou que je vise ce type de situation actuellement, ou que des fois, ça peut être aussi des situations qui perdurent depuis longtemps. Donc, on peut les prendre sur le court terme et sur le long terme. Que disait Nora Wicks Donc, je n'ai pas perdu le fil. Non, 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 pas du tout. Nora Wicks, elle disait « What do you feel now ?» Bon, je pense que souvent on comprend maintenant l'anglais, souvent en tout cas tout le temps, je vais dire qu'est-ce que je ressens maintenant Qu'est-ce que vous ressentez maintenant Et c'est ça qu'on va faire en fait. On va prendre que l'émotionnel de l'instant T. Et l'instant T, c'est aujourd'hui, au moment où je filme cette vidéo, qu'est-ce que je ressens maintenant Et Évidemment, ce maintenant n'est pas pérenne. On sait bien qu'il y a des moments, le maintenant, il est du court terme, mais il peut être aussi du maintenant. Qui a déjà une racine, un peu déjà depuis un sacré moment. Donc, de toute façon, quoi qu'il advienne, ce maintenant, c'est une façon aussi de focaliser sur mes priorités, c'est quoi C'est maintenant. Et maintenant, c'est quoi ce que je ressens Et donc, je vais aller chercher mes fleurs du maintenant. Et maintenant, au centre-bac, on a tendance à parler d'oignon. Voilà. Et quand on voit un oignon, on voit bien qu'il y a plusieurs couches. Il y en a une qui est ici. Hop là, ben voilà, elle vient de sauter, j'ai pris mes fleurs. Et donc on voit bien la seconde apparaître hein, par rapport à la première qui est ici. Hein. On voit bien la, la, la première pelure, il y a celle-ci. Et si je me prête au jeu, donc what do you feel now Qu'est-ce que tu ressens maintenant C'est maintenant. Donc maintenant, je peux ressentir bah, celle-ci qui vient de sauter là, mais qui est toujours un peu présente, hein. apparemment. Elle n'a pas trop envie de se dégager. Et puis celle que je vois ici. Donc peut-être, pourquoi pas deux émotions, on pourrait dire, hein. une et deux. Ça fait deux couches. Alors, quel est l'intérêt Alors, je parlais d'impatience. Euh, là, je suis en train de couper mon oignon. Donc, voilà, je, je ne suis pas un serial killer de l'oignon, mais c'est juste pour vous montrer, évidemment, c'est une image, mais c'est quand même super intéressant. Évidemment, que quand on voit l'oignon ici, on voit une foultitude de couches. Quel intérêt d'être impatient et d'aller directement ici en se disant Ah ben voilà, moi j'ai tout compris, c'est là que je dois aller en fait, le là que je dois aller émotionnellement, je ne peux le voir apparaître que lorsque c'est le moment de voir apparaître cette émotion-là. Donc là, aujourd'hui, c'était donc bien celle-ci puisque je l'ai aidé un peu. Je le je concède l'autre est tombée. mais euh, et puis la seconde, et puis bah, la troisième, elle arrivera après que ça se soit parti. Et donc à un moment donné, eh bien, ça se fait de façon douce et simple. Vous voyez, la troisième, elle arrive ici. C'est en douceur que ça se fait. En douceur, dans le rythme de chacun. Et le rythme de chacun, si ça doit aller vite, pourquoi pas. Mais n'allons pas directement au cœur du problème dont nous n'avons pas évidemment la connaissance ici et maintenant. What do you feel now C'est ce que je vois. Et ce que je vois, c'est ce que je ressens. C'est pas ce que je ressens à l'intérieur. Je n'en sais rien au jour d'aujourd'hui. Peut-être que je peux ressentir quelques émotions, mais je vais pas en ressentir 38 d'un coup, évidemment. Et les fleurs, donc elles se prennent sur la durée. C'est-à-dire qu'à l'instant où je fais mon flacon, ce qui a été mon cas aujourd'hui, eh bien euh, j'ai mis cinq fleurs aujourd'hui, mais c'est mon ressenti d'aujourd'hui. Et va, évidemment, euh, ces émotions-là vont évoluer au fur et à mesure de la journée, des jours qui vont suivre ma prise des fleurs, quatre fois au minimum dans la journée. Et tout au long des semaines qui vont s'écouler, puisqu'en général, si je prends 4 gouttes 4 fois par jour, ça va en durer environ 3 semaines, à peu près. Hein. Donc voilà, c'est là. Alors je dis à peu près, parce qu'il y a des moments où peut-être que j'en prendrai plus que 4 fois. Donc euh, voilà, c'est juste une moyenne. Hein. Donc euh, laissons émerger ce qui émerge et réadaptons au fur et à mesure que les couches se délitent, au fur et à mesure de mon émotionnel, si tant est qu'elles se délitent, parce que des fois j'ai quelques fleurs à l'intérieur qui s'accrochent à l'intérieur, qui n'ont pas du tout envie euh, pour le moment de se déliter parce que l'émotionnel est toujours présent. Et à partir de ce moment-là, eh ben, je considère que je peux euh, modifier mon flacon de fleurs de bac et l'adapter en fonction de mon émotionnel. C'est-à-dire que si ce flacon dure environ trois semaines et que je m'aperçois que dans ces cinq fleurs-là, j'ai encore une ou deux fleurs auxquelles j'ai encore besoin de faire appel sur ce soutien émotionnel parce que c'est pas complètement fluide en moi, et eh bien je peux continuer à prendre ces deux fleurs-là. Bien sûr, je vais stériliser mon petit flacon, puisqu'encore une fois les informations des fleurs qui sont euh, avec les deux euh, qui, que j'aimerais encore continuer, et eh bien les trois autres sont toujours à l'intérieur, donc il faut... En général, mettre son flacon dans une casserole d'eau bouillante avec la petite pipette ou tout du moins la pipette en verre à l'intérieur pour qu'il n'y euh, ait plus du tout de traces d'informations sur les fleurs que je n'ai plus envie de prendre ou qui ne sont plus nécessaires à mon équilibre. Mais par contre, les deux dont j'aurais peut-être encore besoin, c'est encore une fois, c'est une subudoration. Euh, sub... Voilà, vous avez compris. Eh bien, euh, ces fleurs-là, je pourrais les compléter avec d'autres émotions qui, pour le coup, auront peut-être émergé au fur et à mesure de euh, cette prise de conscience sur les premières couches. Donc là, eh bien, je vais pouvoir euh, adapter mon flacon. On ne va jamais au-delà de sept fleurs ensemble, qui est quand même déjà un grand maximum, et c'est quand même bien. Euh voilà, on a quoi faire. Hein. Et puis, bah, prendre conscience, encore une fois, de ces fleurs-là. Parce que si j'en prends cinq maintenant et que je me dis bon bah écoute, on verra. C'est intéressant, c'est que si j'ai choisi tel et tel type de fleurs par rapport à cette problématique émotionnelle, et bien à un moment donné, ce que, ce que je trouve intéressant, c'est de se dire, ok, en quoi les cinq fleurs que j'ai prises ont été accompagnantes, soutenantes, aidantes dans mes prises de conscience sur mon état de comportement, mon trait de caractère, etc. Ce que j'ai voulu rééquilibrer émotionnellement. Sinon, de toute façon, les fleurs elles vont faire leur job. N'ayez pas de crainte par rapport à ça. Mais ce que je trouve intéressant, c'est le côté aussi ouverture de conscience par rapport à la prise des fleurs. C'est-à-dire que mon comportement, si je peux bien sûr l'adapter, à un moment donné, je vais peut-être pas non plus être dans la répétition de ce type de comportement, si tant est que je le sois. Et si je le suis, ben peut-être que j'ai une fleur aussi à prendre qui s'appelle Chestnut Bud et qui est la fleur justement des répétitions. Et donc ben, quand on cerne une fleur, mais vous savez que c'est comme ça, tout le temps, la vie, en fait, on prend conscience, puis on re, « rechute », entre guillemets, où on, on revit cette émotion, mais sous une autre forme, sous un autre angle, sous une autre perspective, dans une autre situation. Et là, on se dit « Ah ouais, non, d'accord, ok, ben bah, c'est pas vraiment fini, c'est encore présent. » Donc c'est ok, c'est le jeu de la vie. Et il n'y a pas non plus à se faire du mal par rapport à ça. C'est expérimental. La vie est une grosse expérience, c'est un gros jeu. Donc jouons aussi avec nos émotions, accueillons-les, acceptons-les, reconnaissons-les en tant que telles accompagnons-nous des fleurs de Bac, ce qui nous permettra peut-être de vivre au mieux les situations et notre traits de caractère. Et puis, on fait ce qu'on peut aussi avec ce que l'on est à l'instant T. Et puis, faites-vous accompagner, hein, toujours pareil, hein, avec des conseillers agréés qui ont la connaissance aussi et la maîtrise euh, de, voilà, du soutien aussi émotionnel pour d'autres personnes. Parce qu'encore une fois, des fois, quand on a trop le nez dans la situation, on n'a pas non plus cette distance totale sur la situation. Et des fois, on va peut-être des fois mettre des fleurs qui n'ont pas forcément le but. Vous entendez Maya, et, euh, et des fois, eh bien, on est à côté de la plaque. <laughs> voilà, c'est comme ça. Mais c'est pas grave, parce qu'encore une fois, les fleurs qu'on prend et qui n'ont pas d'intérêt pour nous sur l'instant du ici et maintenant, what do you feel now, qu'est-ce que je ressens Eh bien, au pire, du pire, du pire, c'est pas grave, puisque cet état est déjà équilibré en moi, donc ça ne servira à rien, et c'est pas très grave. Le pire, c'est de se dire bon, bah alors là, cette fois-ci, mon flacon m'a rien fait, ou les fleurs que j'ai prises n'ont aucun intérêt. Eh bien, c'est pas grave non plus, c'est une expérience. Voilà, bonne journée, à bientôt!